Nous sommes en 1521 en France, dans la ville de Poligny. Un homme de passage à Poligny est brusquement attaqué par une créature terrifiante, ressemblant à un loup. Il ne se laisse pas faire, combat l'animal comme il peut et réussit finalement à s'en débarrasser, ce dernier ayant fui entre-temps dans les bois. L'homme s'en sort indemne et c'est la créature qui est blessée à l'une de ses pattes. Peu après, se remettant à peine de ses émotions, le voyageur se rend compte qu'il y a une traînée de sang due à la blessure de l'animal. Et malgré le danger, il décide de suivre sa trace. Celle-ci le conduit jusqu'à une maison. Lorsqu'il arrive là-bas, il pousse la porte. Mais sa surprise est grande, lorsqu'au lieu de trouver l'étrange animal qui l'avait attaqué, il voit un homme visiblement mal en point. L'homme n'est pas seul, il y a aussi une femme, certainement son épouse. Celle-ci est en train de lui soigner une blessure au bras. Très rapidement, le voyageur fait le lien entre la trace de sang qui l'a mené jusqu'à cette demeure et cet homme qui, de plus, a une blessure située au même endroit que celle du loup. Est-ce une coïncidence? Certainement pas, se dit le voyageur, persuadé que l'homme et le loup ne font qu'une personne. Horrifié, il s'empresse d'aller avertir les autorités. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils procèdent à son arrestation, puis l'interrogent sous la torture, jusqu'à ce qu'il avoue tout. D'abord, il dévoile son identité. Il s'appelle Michel Verdun, puis il avoue également qu'il est un métamorphe, un homme capable de se transformer en animal. Il ajoute aussi qu'il n'est pas le seul métamorphe impliqué dans l'histoire, et qu'il y a un autre homme, Pierre Burgot, surnommé Pierre le Grand, parce qu'il était grand tout simplement. Pendant le procès, Pierre Burgot fit des aveux complets, et voici son histoire. Celle-ci se déroule 19 ans plus tôt, en 1502, dans la ville de Poligny. Il faisait nuit, et une énorme tempête s'abattait sur la ville. Burgot se rendit compte qu'à cause des orages, son troupeau de moutons s'était complètement dispersé. L'homme décida alors de partir à leur recherche et fit une rencontre très étrange. Il y avait là, face à lui, trois hommes à cheval, tous habillés en noir. Les trois cavaliers s'approchèrent doucement et l'un d'eux s'adressa à lui d'une voix sombre et lui fit trois promesses. La première est qu'il retrouverait ses moutons perdus. La seconde, il n'aurait plus de problème dans sa vie. Et la troisième, qu'il recevrait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais bien sûr, vous vous doutez bien que pour toutes ces promesses alléchantes, il y avait un prix à payer. Ce prix était qu'en échange, il devait promettre de servir cet homme et le considérer comme son unique maître. Et ce n'était pas fini. Il fallait qu'en plus, il accepte de les revoir dans 4 ou 5 jours. Après quelques minutes de réflexion, Pierre Burgot décide malgré tout de dire oui à cette proposition. Après avoir retrouvé tous ses moutons, comme on le lui avait promis, il alla à cet étrange rendez-vous et se rendit compte qu'il avait affaire à des serviteurs du diable. Bien qu'il soit chrétien, ça ne l'a pas arrêté pour autant. Au contraire, il a embrassé la main gauche de l'homme et a déclaré que celle-ci était noire et glacée comme celle d'un cadavre. N'ayant plus de soucis d'argent et son troupeau étant protégé, Burgot a continué son pacte diabolique pendant un bon moment. Seulement 2 années après, ce dernier n'eut plus du tout envie de respecter ce pacte et revint peu à peu au christianisme, décidant de fréquenter à nouveau l'église. Mais voilà que les choses ne se passèrent pas comme prévu, car plus tard, il fit une rencontre qui allait changer la donne. Il croisa le chemin d'un homme, Michel Verdun, qui va malheureusement le détourner de cette nouvelle résolution et le convaincre de renouveler son pacte diabolique en échange d'argent. Une nuit, Verdun l'entraîne donc avec lui dans les bois pour participer à une étrange cérémonie. D'après ses dires, cette cérémonie d'initiation avait pour but de le transformer en loup. Il raconta ceci. « Dans un bois près de Chastel-Charnon, nous en rencontrâmes beaucoup d'autres que je ne reconnus pas. Nous dansions et chacun avait à la main un cierge vert avec une flamme bleue. Toujours dans l'illusion que j'obtiendrais de l'argent, Michel m'ordonna avec la plus grande célérité de me déshabiller. Il m'enduisit d'une pommade et je me crus alors transformé en un loup. J'ai d'abord été quelque peu horrifié par mes 4 pattes de loup et par la fourrure dont j'étais recouvert d'un seul coup, mais j'ai découvert que je pouvais désormais voyager avec la vitesse du vent.
Cela n'aurait pas pu se produire sans l'aide de notre puissant maître, qui était présent lors de la cérémonie, bien que je ne l'ai aperçu que lorsque j'ai retrouvé ma forme humaine. Michel a fait la même chose que moi. Après que nous ayons été 1 ou 2 heures dans cet état de métamorphose, Michel nous a de nouveau enduits, et aussitôt nous avons repris nos formes humaines. Le baume nous a été donné par nos maîtres. À moi il a été donné par Moïse, à Michel par son propre maître, Guillemin. Après l'initiation, les deux hommes ayant le même pouvoir de métamorphose s'allièrent afin de commettre des choses horribles. Ces derniers sortaient donc sous la forme de loups-garous, parcourant la région à la recherche de proies jeunes et moins jeunes. Leur première proie fut un garçon de 7 ans. Heureusement, ils n'eurent pas le temps de finir leur sale besogne, car le garçon s'est mis à crier de toutes ses forces. Ces derniers, ayant eu peur d'être détectés, l'ont lâché et l'enfant a profité pour s'échapper de justesse, avec quelques morsures seulement. Bien sûr, ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils s'en sont pris à une femme, puis à l'homme qui tentait de lui venir en aide. Ensuite, ça a été au tour d'une petite fille de 4 ans. Ils lui ôtèrent la vie, puis la mangèrent. Tout ce qui restait de cette pauvre enfant, c'était un bras. Il faut croire qu'ils aimaient ça, se délecter de la chair fraîche de leur proie innocente. Ils attaquèrent aussi des ouvriers agricoles, puis, sous sa forme humaine, Burgo s'en est pris à une enfant âgée de 9 ans. Celle-ci était dans son jardin. Malgré ses supplications pour qu'il lui laisse la vie, sans aucune pitié, il la lui ôta. Les deux hommes s'en prenaient aussi à des animaux, comme des chèvres, etc. Décidément, ces derniers étaient de véritables monstres. Et de plus, ils n'hésitaient pas, selon leur dire, à s'accoupler avec des louves. Ils affirmaient même préférer ça aux femmes. Burgo a déclaré que pour sa métamorphose, il devait être complètement nu, mais que Verdun n'avait pas besoin de retirer ses vêtements pour réussir à se transformer en loup. Il a dit aussi qu'il ne savait pas ce qui arrivait à sa fourrure de loup lorsqu'il reprenait sa forme humaine. Elle disparaissait, c'est tout. Les deux hommes feront les mêmes déclarations. En décembre 1521, après avoir reconnu être des loups-garous et avoir commis toutes ces terribles choses, ils furent reconnus coupables de tous ces crimes et aussi de lycanthropie. La femme de Verdun fut également condamnée, même s'il n'y avait pas de preuves contre elle. Tous ont été exécutés et brûlés sur le bûcher. Nous sommes en 1598. Une jeune fille et son frère décident d'aller chercher des fraises des bois. Quelques instants plus tard, Benoît Bidel, le frère âgé de 15 ans, s'éloigne un peu de sa sœur et monte sur un arbre pour cueillir des fruits. Mais tandis qu'il se tient en haut de l'arbre, il aperçoit un animal ressemblant à un loup sortir brusquement des buissons. Puis voilà que l'étrange loup bondit sur sa sœur, l'attaquant brutalement. Le garçon, complètement effrayé et voyant sa sœur en danger, n'hésite pas une seconde à descendre de l'arbre où il est perché pour lui venir en aide. Il saute donc à terre, court vers sa sœur, un couteau à la main. Malheureusement, le loup réussit à le désarmer et le blesse grièvement. Sa jeune sœur ne survit pas. Benoît Bidel, lui, est encore vivant, mais dans un état grave. Il est emmené chez lui pour être soigné. À ce moment-là, Benoît fait une description détaillée de la bête qui a tué sa sœur, précisant que les pattes de celui-ci étaient semblables à des mains humaines, mais couvertes de poils. Quelque temps plus tard, finalement, il succombe à ses blessures. Lors de l'incident qui avait coûté la vie aux deux jeunes adolescents, des habitants alertés par les cris de détresse avaient tenté de tuer le loup et donc réussi à blesser ce dernier, ce qui les a amenés à soupçonner une jeune fille de la région. Pour eux, c'était elle la coupable, car elle avait une blessure située au même endroit que l'animal. Cette jeune fille s'appelait Pernette Gandillon, et elle était connue pour avoir un comportement bizarre, ce qui a d'ailleurs fait enfler la rumeur sur son implication dans l'agression de Benoît Bidel et de sa sœur.
Ainsi, celle-ci, comme un animal, courait souvent à quatre pattes à travers la campagne. Seulement, elle n'était pas seule à être bizarre. En fait, tous les membres de sa famille avaient eux aussi un comportement étrange, d'après les habitants de la région. Bientôt, les soupçons vont se porter sur toute la famille Gandillon. Pierre, le frère de la jeune fille, fut accusé d'être un loup-garou. Sa sœur Antoinette de pratiquer la sorcellerie. Sous la torture, ils ont affirmé ceci. Pierre a dit qu'il avait rencontré le diable et que ce dernier lui avait donné un baume magique qui lui permettait de se transformer en loup-garou. Il allait ensuite, sous cette forme, s'attaquer à des animaux et des humains. Georges, son fils, a affirmé que lui aussi avait utilisé ce fameux baume pour se transformer en loup. Antoinette a dit qu'elle avait pactisé avec le diable et que celui-ci l'avait rendu visite sous la forme d'une chèvre noire. Ils ont tous avoué également que toute la famille s'était rendue à un sabbat noir pour adorer le diable. Accusé d'être un loup-garou et d'avoir tué le jeune Benoît et sa sœur, un chasseur de sorcières, Henri Boguet, organisa l'exécution de Pernette. Puis après avoir interrogé le reste de la famille, ceux-ci furent condamnés et brûlés sur le bûcher. Toute la famille avoua avoir pactisé avec le diable sous la torture. Mais qui n'avouerait pas n'importe quoi sur la torture? On peut donc se demander s'ils étaient vraiment coupables ou victimes d'une rumeur parce qu'ils étaient différents ou un peu étranges. Aujourd'hui, on n'en est plus là, mais il y a très longtemps, au XVIe siècle, vous pouviez être accusé de sorcellerie ou d'être un loup-garou sans réelle preuve, tant les gens étaient superstitieux. Une chose est certaine, c'est qu'il y a eu de vrais criminels qui se prenaient pour des loups-garous ou qu'il était peut-être, mais beaucoup d'innocents ont été condamnés et brûlés sur le bûcher pour rien. Nous sommes à la fin des années 1500, dans une petite ville française appelée Châlons-en-Champagne. Depuis quelque temps dans la région, des enfants ont commencé à disparaître, comme par enchantement. Au début, les parents pensent que certains se sont peut-être enfuis de la maison, mais malgré de nombreuses recherches, aucun enfant n'est retrouvé, ce qui est de plus en plus étrange. Mais où sont-ils donc passés? Les familles désespérées ne savent plus quoi faire et craignent le pire. Au fil du temps et des disparitions, une rumeur assez effrayante commence à se répandre dans la région. Des témoins disent avoir aperçu un énorme animal dans la forêt. Ils le décrivent comme une créature moitié homme, moitié loup. Des battues sont donc menées pour retrouver cette bête qu'on soupçonne d'être à l'origine de la disparition des enfants. Mais personne ne réussit à l'attraper. Aussi, bientôt une rumeur bien plus terrifiante commence à se propager dans la petite ville de Châlons. En effet, un certain atelier de couture de la région est visé, car depuis quelque temps, des hurlements à glacer le sang auraient été entendus là-bas. Cet atelier de couture appartient à un homme, un tailleur. Son nom, on ne s'en souvient plus, mais on le surnommera plus tard « le loup-garou de Châlons ». Apparemment, on avait trouvé le coupable, celui qui était responsable de toutes ces disparitions étranges. Et quel coupable, un véritable monstre. Loup-garou ou pas, peu importe sa vraie nature, ce qu'il a fait dépasse l'entendement. Apparemment, pour attirer des enfants à l'intérieur de sa boutique, il leur proposait des friandises. Et comme vous pouvez l'imaginer, certains se laissaient avoir et acceptaient de rentrer dans sa boutique. Une fois ces proies prises au piège, on peut tout à fait deviner ce qui se passait. Mais non, c'était bien pire encore. En effet, lors de la perquisition, des tonneaux d'ossements humains ont été retrouvés et on devine bien de quel ossement il s'agissait. Il paraît que les murs étaient couverts de sang, ceux de ces pauvres innocents bien sûr. L'homme, avant d'en finir avec eux, profitait intimement de ces jeunes proies, puis leur ôtait la vie en leur coupant la gorge et comble de l'horreur, comme de la viande, il les coupait en morceaux pour les manger plus tard. Il les stockait dans les fûts de la cave du magasin, puisqu'il savait que personne n'y entrerait à part lui. Il paraît que le fameux loup-garou que les gens avaient aperçu, c'était lui.
La légende dit qu'il se rendait dans la forêt, puis se transformait en loup-garou, chassant ses proies à travers les bois sombres. Nous sommes le 14 décembre 1598. L'homme est traduit en justice. Il est reconnu coupable de meurtre. Il sera brûlé sur le bûcher le lendemain de son procès. Lors de l'exécution, énormément de gens étaient là. On dit que les personnes qui étaient présentes ont affirmé que, contrairement à d'autres condamnés qui s'étaient repentis avant que les flammes ne les consument, le loup-garou de Chalon, comme on l'appelait, lui ne s'est jamais repenti. Bien au contraire, sans aucun regret, malgré tous les actes odieux qu'il avait commis, a maudit et blasphémé jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'on y croit ou non, à travers le monde, de nombreuses personnes disent avoir été témoins de phénomènes paranormaux au sein de leur foyer, fantômes, esprits maléfiques ou encore poltergeist. Dans le cas d'un poltergeist ou esprit frappeur, la plupart du temps, ces phénomènes surviennent dans les maisons. Il paraît qu'ils seraient souvent liés à la présence d'une personne jeune, ayant un mal-être ou des problèmes de dépression. Quand un poltergeist se manifeste, c'est souvent bien pire qu'un esprit normal. Il est assez agressif et brutal, et très effrayant. En effet, en sa présence, des objets de la maison se mettent à voler ou léviter sans raison dans la pièce, se fracassant contre les murs. Des portes qui s'ouvrent et se ferment violemment. De la vaisselle qui se brise, des appareils qui fonctionnent tout seuls sans qu'on les ait mis en marche. Cette chose peut s'en prendre à une personne présente dans la maison et n'hésitera pas à l'agresser. Coups, griffes, gifles, morsures, etc. Il existe plusieurs cas connus de poltergeist assez effrayants. Je vais vous parler de deux d'entre eux. Celui de Maria José Ferreira en 1965 et le cas d'Esther Cox en 1878. Nous sommes en 1965, à Jaboticaba, une petite région du Brésil située au nord de São Paulo. On est au mois de décembre et la nuit est déjà tombée. Une petite fille de 11 ans, Maria José Ferreira et sa famille sont tranquillement chez eux, lorsque subitement, une grosse pierre traverse la pièce où ils se trouvent. Personne ne comprend ce qui se passe. Qui l'a lancée? Elle semble venir de nulle part. Dans leur cour, il y a des pierres semblables à celles-là, donc la famille pense que quelqu'un leur fait une mauvaise blague ou quelque chose comme ça. Seulement bientôt, ils vont se rendre compte de ce qu'il en est réellement. Durant les jours qui vont suivre, d'autres pierres vont être lancées dans la maison. Ce qui est étrange, c'est qu'elles semblent venir de nulle part. Et le pire, c'est que certaines d'entre elles pèsent jusqu'à presque 4 kilos. Ce n'était pas normal, et les choses devenaient bien trop effrayantes. Aussi la famille a commencé à comprendre qu'il n'y avait rien de rationnel dans tout ça. Pour preuve, si ça avait été l'œuvre d'un individu, pourquoi la quantité de pierres dans leur cour est-elle restée la même? Au fil des jours, les phénomènes s'aggravèrent, jusqu'à les atteindre physiquement. Et pour les Ferreira, ça ne pouvait être que l'œuvre d'un esprit maléfique. Désespérés et voyant que la situation était de plus en plus difficile à gérer, ils demandèrent l'aide d'un prêtre de la région. L'homme accepta. En arrivant là-bas, il constata lui aussi qu'il y avait effectivement une entité malveillante dans la maison. Il fut témoin de pierres lancées à l'intérieur de celle-ci, de bruits effrayants et d'objets se déplaçant tout seuls.
Selon lui, l'exorcisme était l'unique solution face à ces manifestations paranormales. Il tenta donc d'exorciser les lieux, mais malheureusement sans succès. Au contraire, l'esprit frappeur devenait encore plus virulent. On aurait dit que cette tentative d'exorcisme n'avait fait qu'aggraver la situation et mettre cette entité dans une colère effroyable. Désormais, cette petite fille innocente et sa famille allaient vivre un véritable cauchemar. En effet, les pierres qui étaient balancées étaient deux fois plus grosses. De plus, ce n'étaient plus seulement de simples objets qui étaient lancés, mais des meubles. Parmi tous les membres de la famille, c'était Maria que l'entité semblait viser. Non seulement on lui lançait des pierres, mais elle recevait aussi des coups de griffes, des gifles, des morsures. Ce qui arrivait à la petite était vraiment insupportable, et sa famille ne savait pas comment l'aider. Alors, ils ont fini par contacter un médium de la région, du nom de João Volpe. Pour mieux aider Maria à se débarrasser du poltergeist, il l'a donc pris chez lui. Durant ce séjour, Volpe a constaté qu'elle avait la capacité de communiquer avec les esprits et qu'elle était hantée par plusieurs d'entre eux. L'homme a dit au poltergeist de cesser d'importuner Maria, et par la suite, durant plusieurs jours, les choses se sont calmées. Mais ça n'a pas duré, car l'esprit frappeur a recommencé à se manifester de façon brutale, en projetant des objets divers, de la vaisselle et des cailloux, etc. Puis Maria a été encore mordue, giflée. On lui a lancé des meubles, comme des chaises et un canapé. La situation devenait vraiment invivable pour la petite fille. Souvent la nuit, lorsqu'elle allait dormir, le poltergeist essayait de l'étouffer. Puis, elle a été blessée par des aiguilles à coudre, qui étaient enfoncées profondément. Lorsqu'on lui retirait les aiguilles dans le corps et qu'on lui plaçait des bandages sur ses blessures, ils étaient le plus souvent arrachés. Le 14 mars 1966, alors que Maria se trouvait à l'école, en train de déjeuner, ses vêtements prirent feu soudainement, sans raison apparente. Le même jour, la chambre de Volpe a pris feu aussi, et l'homme a été grièvement blessé. Se rendant compte de son impuissance face au poltergeist et ne pouvant plus aider Maria, l'homme a dit à sa famille qu'il fallait absolument l'emmener voir Chico Xavier, un médium très célèbre au Brésil. Il a donc contacté ce dernier et Maria fut emmenée au centre spirit Chico Xavier à Uberaba. L'homme a commencé à examiner la petite, puis tenta de rentrer en contact avec l'esprit. Il lui posa des questions, comme pourquoi harceler si violemment une petite fille. On lui a répondu que dans sa vie antérieure, Maria était une sorcière qui avait commis des actes horribles envers les esprits qui la hantaient, et que ceux-ci étaient en colère et lui en voulaient terriblement. D'après eux, elle aurait mis fin à leur vie en utilisant la magie noire. Chico Xavier leur a dit que ce n'était pas juste de tyranniser Maria, car dans cette vie, elle n'était plus cette sorcière dont il voulait se venger, mais une simple petite fille de 11 ans, complètement inoffensive. Après ça, le médium a fait tout ce qu'il pouvait pour aider Maria à retrouver une vie normale, et quelques mois plus tard, il affirma avoir gagné la bataille contre ceux qui lui faisaient du mal. Tout sembla aller pour le mieux, et Maria put enfin retourner dans sa famille. Seulement, quelques jours plus tard, on retrouva cette dernière sans vie dans sa chambre. Apparemment, les esprits auraient recommencé à l'attaquer, et ne le supportant plus, celle-ci aurait préféré en finir en buvant une boisson qui contenait des pesticides. On dit que les manifestations paranormales auraient pris fin après la mort de Maria José Ferreira. Nous sommes en 1878. Une jeune fille de 18 ans, Esther Cox, vit avec plusieurs membres de sa famille dans une petite maison de campagne à Amherst, en Nouvelle-Écosse. Il y a sa sœur Olive et son mari Daniel Tidd, leurs deux enfants, John le frère de Daniel, et deux autres frères et sœurs d'Esther. Un jour, un homme nommé Bob McNeil, un ami de la famille qui était devenu relativement proche d'Esther, s'en est pris intimement à la jeune fille, la menaçant avec une arme.
Après cet acte horrible, complètement traumatisée, la jeune fille a commencé à se comporter différemment. Elle sembla tomber dans une sorte de dépression et pleurait souvent. N'ayant pas évoqué l'agression, sa famille s'inquiétait un peu, mais a conclu que cette dernière était triste à cause de petites disputes avec Bob. Peu de temps après ce que Bob lui avait fait subir, bizarrement des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Nous sommes fin août 1878. Au fil des jours, Esther se confie à ses proches présents dans la maison. Elle dit voir des choses bizarres et qu'en pleine nuit, elle entend de violents coups sur les murs de sa chambre, etc. Un soir, Esther et sa sœur ont commencé à entendre d'étranges bruits semblant venir de sous le lit qu'elles partageaient à ce moment-là. Elles ont de suite pensé que c'était peut-être dû à une souris. Seulement, les nuits suivantes, les bruits sont devenus de plus en plus étranges et de plus en plus intenses. Une nuit, alors que les deux sœurs dormaient, leur couverture s'est mise à bouger étrangement. Effrayées par ce qui se passait, ces dernières ont poussé un grand cri. Alertées, Olive, l'autre sœur d'Esther et son mari Daniel Tidd ont couru vers la chambre et ont ouvert la porte paniquées. En entrant dans la pièce, le couple a trouvé les deux jeunes filles serrées l'une contre l'autre dans un coin et complètement terrorisées. Un autre soir, les deux sœurs ont brusquement commencé à hurler. En arrivant dans la chambre, Daniel Tidd a remarqué une étrange boîte posée sur le sol. L'homme demanda donc aux deux jeunes filles si elles savaient ce qu'était cette boîte. Les filles lui ont affirmé ne pas savoir d'où elle venait et pourquoi elle était là, mais qu'il y avait eu un bruit effrayant venant de sous le lit. Esther a dit qu'elle avait très peur, mais a pris son courage à deux mains et a attrapé la boîte de sous le lit. Mais alors qu'elle ne s'y attendait pas, brusquement, l'objet s'est propulsé en l'air et est tombé au milieu de la pièce. Une autre nuit, Esther alla se coucher tôt, car elle ne se sentait pas bien. Quelques heures plus tard, sa sœur est venue se coucher à son tour. Seulement, sans qu'elle ne s'y attende, Esther a bondi hors du lit et a commencé à avoir des convulsions. Chose étrange, son corps s'est mis à enfler. Au même instant, elle aurait crié « Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je suis en train de mourir !» Après l'incident, des coups très forts ont résonné dans toute la maison, effrayant tout le monde. Nous sommes en octobre 1878. La chose qui semble hanter cette maison se montre de plus en plus menaçante. Il lance des objets, renverse des meubles, etc. Bientôt, elle commence à rentrer en communication avec les gens et à répondre aux questions, en frappant et parfois en écrivant sur les murs. Maintenant, l'histoire avait pris une telle ampleur que la presse s'en est emparée et a diffusé l'un des messages sur les murs. Celui-ci disait « Esther Cox, tu es à moi et je te tuerai ». Peu après, le poltergeist menaça la famille Tidd de mettre le feu chez eux. Il paraît qu'il aurait provoqué deux incendies. Après tous ces événements qui étaient visiblement liés à Esther, la famille de la jeune fille, se faisant du souci pour elle, demanda l'aide d'un médecin de la région afin qu'il puisse l'examiner. Ce dernier a d'ailleurs été témoin de coups, des écritures sur les murs, des objets lancés, etc. Même quand il mettait la jeune fille sous sédatif, les phénomènes paranormaux ne cessaient pas. Tout le monde, les voisins, les gens du quartier, pouvaient entendre les bruits, les coups sur les murs de la famille Tidd tant ils étaient forts et résonnaient. Les coups pouvaient être entendus assez loin autour de la maison. On aurait dit que quelque chose frappait le toit avec une masse. Les manifestations effrayantes continuaient de plus belle. Des objets se déplaçaient sans raison, des meubles se renversaient,
Des choses disparaissaient et réapparaissaient ailleurs, sans qu'on les ait déplacées. La chose semblait suivre Esther partout, et celle-ci a commencé à entendre des voix et bientôt à voir les esprits qui la suivaient. La jeune fille était complètement effrayée et ne supportait plus ce que ces choses lui faisaient subir. La famille d'Esther aussi avait du mal à supporter tout ça, et malheureusement, elle a dû partir. Elle fut hébergée par une famille qui lui ont offert un travail dans leur salon-restaurant. Seulement, les phénomènes autour d'elle n'ont pas cessé pour autant. Des témoins ont vu des choses assez effrayantes se passer dans le salon-restaurant, dont un couteau qui s'est mis brusquement à léviter et qui s'est dirigé vers Esther, la poignardant. Quelqu'un a essayé d'enlever l'objet du corps de la jeune fille, mais bizarrement, il est revenu la blesser au même endroit. Pendant l'été 1879, Walter Hubel, un enquêteur paranormal, est venu chez la famille d'Esther pour leur demander s'il pouvait étudier son cas. Ceci ayant accepté, l'homme a passé plusieurs jours avec Esther. Après ça, il a affirmé avoir été témoin d'incendies inexpliqués, d'objets en lévitation, de crises, de convulsions de la jeune fille et de tout un tas de phénomènes étranges et effrayants. Par la suite, Esther a accepté de faire une tournée de conférences à travers le pays avec l'enquêteur afin de raconter ce qu'elle a vécu. Ce dernier a décidé de mettre à l'écrit l'histoire d'Esther. Le livre appelé « The Haunted House, The True Ghost Story » s'est bien vendu. Plus de 50 000 exemplaires. Après sa tournée avec lui, la jeune fille a travaillé pour un homme nommé Arthur Davidson. Mais les choses se sont mal passées. En effet, la grange de ce dernier a brûlé et Esther a été arrêtée et reconnue coupable pour l'incendie criminel. Condamnée à 4 mois de prison, finalement, elle n'en fera qu'un seul. Plus tard, la jeune fille s'est mariée une première fois, puis s'est à nouveau mariée avec un autre homme. Elle a eu 2 enfants. Entre-temps, les phénomènes paranormaux avaient cessé. Avec son 2e mari, elle a déménagé à Brockton, dans le Massachusetts, et elle s'est éteinte en 1912, à 52 ans. Le Ouija, cette planche en bois imprimée, avec des lettres de l'alphabet, des chiffres et d'autres symboles, existe depuis très longtemps. Et a été commercialisé en 1890. À l'époque, vendu comme un simple jeu de société assez innocent, le jeu Ouija est devenu, pour beaucoup d'adeptes, un moyen de communiquer avec les esprits. Pour certaines religions, telles que le christianisme, cette planche ne devrait pas être utilisée, car elle serait diabolique, le danger étant la possession démoniaque. Les scientifiques, eux, ne croit pas du tout à ses soi-disant pouvoirs surnaturels. D'après ces derniers, la planchette ne bougerait pas toute seule. Ils expliquent que ce déplacement serait dû à des mouvements musculaires inconscients des participants. C'est un phénomène psychologique appelé effet idéomoteur. En tout cas, qu'on croit ou non au pouvoir de cet objet, au fil du temps, son succès n'a fait qu'augmenter, mais sa réputation est devenue de plus en plus sombre. Nous sommes en novembre 1933, à Prescott, en Arizona. Mattie Turley, une jeune adolescente de 15 ans, et son père, Ernest Turley, ancien chef mitrailleur de la marine américaine, sont sur leur terrain et tentent de se débarrasser d'une moufette. Mais soudain, le père reçoit 2 balles dans le dos et s'écroule. Mattie, sa fille, vient de lui tirer dessus. Gravement blessé, il est emmené à l'hôpital et décède au bout d'un mois et demi. L'adolescente, interrogée par le shérif, affirme que la mort de son père est un accident. D'après ses dires, celle-ci se trouvait à environ 9 mètres derrière lui quand brusquement, voulant tirer sur une moufette, elle a trébuché et le coup est parti. Mais bientôt, la jeune fille avoue une toute autre version. C'est une planche Ouija qui l'aurait poussée à tuer son père. Et sa mère Dorothy Turley est complice du meurtre. Elle dit que quelque temps avant le drame, sa mère et elle avaient joué à ce jeu. Elle affirme que durant la séance,
Les esprits de la planche lui auraient ordonné de tuer son père pour que sa mère Dorothy soit enfin heureuse. Elle raconte que cette dernière aura une liaison avec un autre homme, un jeune cow-boy. Et pour qu'elle puisse se marier avec son amant, il n'y avait qu'une solution, tuer son mari. D'après Mattie, sa mère lui aurait dit qu'il fallait à tout prix obéir aux ordres de la planche, qu'elle ne devrait surtout pas s'inquiéter, qu'elle ne serait pas arrêtée. Mais quand on l'interrogea, Dorothy nia toutes les accusations portées contre elle. Clamant son innocence, elle affirma n'avoir jamais incité Mattie à tuer son mari à cause d'une planche Ouija. Selon elle, Mattie aurait tiré sur son père car elle était en colère contre ce dernier qui lui imposait trop de règles. Et maintenant, elle voulait lui faire porter le chapeau. Dorothy Turley a finalement été jugée coupable. Elle a été condamnée à plusieurs années de prison, mais en 1936, à la suite d'un appel, sa condamnation est annulée et Dorothy retrouve sa liberté. Quant à Mattie, elle a finalement plaidé coupable pour tentative de meurtre. Cette dernière a été placée dans une maison de correction et a obtenu une libération conditionnelle 3 ans plus tard. Nous sommes en mars 1990, dans un hôpital de Madrid. Estefania Gutiérrez, une adolescente de 16 ans, et sa famille se rendent au chevet du grand-père mourant. La relation de ce dernier avec ses proches est très tendue, et celui-ci déteste ses petits-enfants. Il vit ses derniers instants et demande à parler à sa petite-fille, Estefania. Elle s'approche de lui doucement quand soudain, il lui chuchote à l'oreille des mots terrifiants. Il la maudit et lui promet que quand il sera dans le monde des esprits, il lui fera du mal à elle ainsi qu'à tous les autres. Après lui avoir dit cette phrase, ce dernier décède. Habituée aux agressions verbales répétées du vieil homme, la famille de la jeune fille ne prend pas ses paroles au sérieux et met ça sur le compte de la démence. Mais l'adolescente semble perturbée par ce qu'elle a entendu. Elle ne cesse d'y penser et commence à s'intéresser à l'occultisme. Nous sommes rue Luis Marín dans l'appartement des Gutiérrez. Estefania se prépare pour se rendre au lycée. Quand elle arrive là-bas dans la cour, une de ses meilleures amies lui demande de jouer au Ouija. Son petit ami est mort dans un terrible accident. Elle est désespérée et souhaiterait rentrer en contact avec ce dernier. Alors Estefania sort une planche Ouija de son sac et à l'abri des regards, elle, son amie et une autre camarade décident de s'adonner à ce jeu. La jeune fille et ses amis se placent donc autour de la fameuse planche, se concentrent, ferment les yeux et se mettent à poser des questions. Mais soudain, au beau milieu de la séance, un professeur passant par là les surprend. Ce dernier rentre précipitamment en les sermonnant, s'empare de l'objet, puis très en colère, il déchire la planche de carton et jette violemment le verre qui servait à se déplacer sur celle-ci. Le verre se brise en plusieurs morceaux, et là, brusquement, quelque chose d'effrayant se produit. Une étrange fumée sombre s'en échappe et reste durant quelques secondes en suspension dans l'air, puis soudain, voilà qu'elle s'introduit dans le nez d'Estefania. Quelque chose d'inexplicable vient de se produire. Cette mystérieuse fumée s'est introduite dans les narines d'Estefania. Effrayée, ses amis se mettent à crier tandis que le professeur reste tétanisé par la scène. Après cet incident étrange, la vie d'Estefania prend une nouvelle tournure. Au fil du temps, son comportement devient de plus en plus bizarre. La jeune femme a du mal à trouver le sommeil et commence à être assaillie par d'horribles visions cauchemardesques. Elle voit des silhouettes sombres rassemblées autour de son lit, et ces ombres effrayantes lui parlent. Ils l'appellent par son nom et lui disent de les suivre. La jeune fille est terrorisée et n'en peut plus. Elle se confie à sa famille et leur raconte ses visions. Tous ces événements commencent à jouer sur son humeur qui devient exécrable.
Ses proches ne comprennent pas ce qui lui arrive et se font constamment agresser physiquement par la jeune fille. Les jours passent et le comportement d'Estefania ne change pas. Au contraire, il empire. Souvent, elle erre dans la maison, l'air absente, fixant le vide durant un long moment. Elle ne réagit pas, ne bouge pas. Même lorsqu'on essaye de rentrer en contact avec elle. Elle semble être dans une sorte de transe. Estefania a affirmé que durant cette transe, elle se trouve dans un long couloir et au fond de ce couloir, il y a un brouillard épais et des voix effrayantes qui l'appellent. Bientôt, ses proches vont être eux aussi témoins de phénomènes étranges. Des bruits bizarres, le sentiment d'être observé, des portes qui claquent, qui se bloquent, etc. Un jour, Estefania se rend dans la salle de bain pour repasser ses vêtements, quand soudain elle se met à hurler. Sa mère, se trouvant dans une autre pièce, entend ses hurlements. Affolée, elle accourt aussitôt. Lorsqu'elle lui demande des explications, morte de peur, Estefania lui raconte qu'elle a vu une silhouette sombre et effrayante. Et là, alors qu'elles sont en pleine discussion, sans qu'on ne comprenne pourquoi, la porte de la salle de bain se referme sur la jeune fille et sa mère. Elle tente de sortir, mais en vain. Alerté, Massimo, le père, essaye d'ouvrir la porte, mais cette dernière est complètement bloquée. Il décide alors de donner un violent coup de pied à celle-ci. Mais juste avant qu'il ne s'exécute, sans qu'on ne comprenne comment, tout à coup, la porte s'ouvre lentement. Le temps passe et la situation ne s'arrange pas. Estefania a des crises de colère. Elle est violente envers ses parents, Concepcion et Massimo, et agresse aussi ses frères et sœurs. Ses parents, désespérés, l'emmènent dans différents hôpitaux, mais on ne peut rien faire pour elle. Nous sommes en juillet 1991. Durant la nuit, Estefania tente de s'en prendre violemment à sa sœur, Marianella. Cette dernière réussit tout de même à l'esquiver. Estefania se retrouve par terre. Elle a des convulsions, de la mousse sort de sa bouche. Le lendemain, la jeune fille fait une crise de catalepsie. On l'emmène d'urgence à l'hôpital Gregorio Maranon. Bientôt, elle se retrouve dans le coma et à 2h du matin, elle décède. L'autopsie n'explique pas les causes du décès et mentionne une mort soudaine et suspecte. Nous sommes dans l'appartement des Gutiérrez après le décès d'Estefania. La famille est sous le choc, complètement dévastée par son départ brutal. Malheureusement, le deuil ne sera pas la seule chose qu'ils vont affronter ensemble, car en effet, ceux-ci vont devoir faire face aussi à des phénomènes paranormaux de plus en plus terrifiants. Des objets qui se déplacent, des portes qui s'ouvrent et se referment toutes seules, etc. Un jour, alors que la mère d'Estefania se rendait dans la chambre de sa fille, en ouvrant la porte, elle retrouva la pièce sans dessus-dessous. Tout était en désordre, les draps, les objets, etc. Choquée, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Bientôt, les manifestations étranges dans l'appartement se multiplient. Un matin, la mère entend une voix. Cette voix ressemble étrangement à celle de sa fille. Celle-ci hurle son nom. On entend parfois des rires sinistres, celles d'un vieil homme qui semble traverser les murs. Une nuit, alors qu'elle dort, la mère d'Estefania sent brusquement quelque chose lui toucher les mains et les pieds. Un autre soir, ce sont les petites qui se réveillent en sursaut. Terrifiées, leurs poignets se retrouvent brutalement claqués contre le mur. Une autre nuit encore, quelque chose d'effrayant se produit. À ce moment-là, la mère d'Estefania dormait dans sa chambre, quand soudain, elle sent une entité invisible sur sa poitrine qui essaye de l'étrangler. Elle se débat comme elle peut, puis finalement la chose disparaît. Dans cet appartement, aucun membre de la famille n'a été épargné par ces phénomènes paranormaux. D'ailleurs, une nuit, Marianella et Cherubina, les sœurs d'Estefania, qui dormaient dans la même chambre, ont eu une expérience horrible. Tout d'abord, elles ont entendu un sifflement étrange. Ensuite, des gémissements près de la porte. Les deux sœurs étaient figées sur place, tant elles avaient peur. Mais le pire était à venir. Car il y avait là devant leurs yeux quelque chose de terrifiant, quelque chose sur le sol.
Cet être avait la forme d'un humain, mais n'avait pas de visage. Sa face était complètement sombre et il avançait en rampant sur le sol. La scène était glaçante et les deux filles ne savaient pas quoi faire car cette entité se traînait dans leur direction. Soudain, elles se sont mises à hurler. Et là, d'un coup, les jouets qui se trouvaient sur une étagère ont été projetés violemment sur le sol et sur les murs. En entendant les cris de leurs filles, les parents entrèrent dans la chambre, allumèrent la lumière. La pièce était complètement en désordre, les jouets traînant partout, comme si les filles avaient joué toute la nuit. Mais la créature sombre avait brusquement disparu. Pour la famille, l'appartement était visiblement hanté, et pour y remédier, ceux-ci font donc appel à des exorcistes, des prêtres, des enquêteurs du paranormal, etc. Mais malgré toutes leurs tentatives, personne n'a réussi à venir à bout de cette hantise. Un jour, des bruits terrifiants, pire encore que ceux qu'ils avaient l'habitude d'entendre, retentissent dans tout l'appartement. Terrorisée, l'aiguille Thérèse décide de s'enfermer dans le salon. Ceux-ci mettent le canapé devant la porte. Et là, brusquement, le lendemain, une grande rafale de vent sortie de nulle part réussit à tourner les poignées de la porte du salon, poussant tout sur son passage, le canapé ainsi que tous les objets du salon. Le phénomène était très violent et quelque chose s'est produit à ce moment-là. Une photo encadrée d'Estefania, prise quelques mois avant sa mort, tomba sur le sol et soudain, celle-ci se mit à brûler sans raison, effaçant le visage de la jeune fille. Le plus étrange est que seul le visage d'Estefania s'enflamma. Le cadre et le verre restèrent intacts. Nous sommes fin novembre 1992 au 8 rue Luis Marín à Vallecas, Madrid. Il est 2h30 du matin. L'aiguille Thérèse appelle la police. Trop, c'est trop. Cette nuit a été particulièrement terrifiante et ils n'en peuvent plus. Bientôt, la police arrive sur les lieux. Ils trouvent une famille tétanisée par la peur, dehors dans le froid et la pluie. Lorsque l'inspecteur en chef, José Pedro Negri, et son équipe entrent dans la demeure des Aiguille Thérèse, ils sont très vite troublés par la température glaciale qui règne à l'intérieur. Le rapport écrit par José Negri après son inspection chez les Aiguille Thérèse décrit des températures anormalement basses, des portes d'une armoire qui s'ouvrent brusquement, une boue sombre se formant sur une table de chevet, des bruits étranges venant du balcon, un crucifix qui tombe du mur, laissant apparaître de profondes égratignures, et aussi quelque chose dans le couloir, une présence effrayante et sombre. Trop terrifiés par ce qu'ils venaient de voir, et sachant qu'ils ne pouvaient rien faire pour cette famille, les policiers quittèrent les lieux précipitamment. Quelque temps après, conscient qu'il n'y avait pas d'autre solution, la famille Gutiérrez prend une décision radicale. Ainsi, ils mettent en vente la maison et quittent les lieux sans jamais se retourner.